Une nouvelle guerre éclata au milieu du XXe siècle, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin. Les États-Unis démocratiques et capitalistes, ainsi que l'Union soviétique communiste, étaient les deux plus grandes puissances mondiales au moment de ce conflit, connu sous le nom de guerre froide. L'espace émergea comme un nouveau champ de bataille dramatique pour ce conflit à la fin des années 1950. Alors que les deux côtés rivalisaient pour démontrer la supériorité de leurs systèmes politico-économiques, de leur technologie et de leur puissance militaire. Une quantité stupéfiante d'informations autrefois classifiées a été déclassifiée et rendue publique au cours des 10 dernières années. Prises dans leur ensemble, ces informations ont apporté de nouvelles profondeurs et tournures à presque chaque élément des événements précédents et suivant l'atterrissage soviétique sur Mars. Qu'était la course à l'espace? Quel impact mondial a-t-elle eu? Comment a-t-elle influencé l'atterrissage des Soviétiques sur Mars? Accompagnez-nous alors que nous explorons les moments cruciaux qui ont façonné l'atterrissage de l'Union soviétique sur Mars et les près de deux décennies de la guerre froide. Pour beaucoup nés avant les années 1950, la fascination et l'émerveillement suscités par le lancement de Sputnik restent présents dans nos esprits. Avant Sputnik, l'intérêt du public pour la science et la technologie avait augmenté depuis la foire mondiale World of Tomorrow à Flushing Meadows, New York, en 1939. Pour les États-Unis, un nouveau monde approchait en 1957. Le pays développait un réseau autoroutier inter-État, les zones suburbaines s'étendaient et les foyers avec deux voitures et des télévisions couleur commençaient à devenir la norme. Pour la première fois de l'histoire, le gouvernement fédéral disposait du plus grand budget de temps de paix, 8 milliards de dollars, et plus d'un millier d'ordinateurs seraient fabriqués, achetés et expédiés en une seule année. La santé publique avait progressé, mais rien n'était aussi remarquable que la découverte par le docteur Jonas Salk d'un vaccin pour prévenir la polio qui avait décimé toute une génération d'enfants. La course à l'espace était une série de technologies compétitives visant à démontrer qui pouvait se rendre dans l'espace plus rapidement et plus loin entre les États-Unis et l'Union soviétique. Elle s'est développée en raison de la guerre froide, une lutte idéologique mondiale entre le communisme et le capitalisme qui a commencé au milieu du XXe siècle. Il y avait une rivalité féroce entre les deux superpuissances du fin des années 1950 au milieu des années 1970, concernant qui pourrait conquérir l'espace en premier. Pendant la course à l'espace, qui a commencé avec le premier lancement de satellites et s'est terminée par une expédition conjointe entre les deux superpuissances, l'exploration spatiale a connu une ère unique. Dans les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, une lutte idéologique acharnée entre les États-Unis et l'URSS, a commencé. De la course aux armements nucléaires à l'implication américaine au Vietnam, la guerre froide englobait de nombreux fronts. Une autre source de contention était la course à conquérir l'exploration spatiale. À l'avant-garde de cette course à l'espace se trouvait la course pour être le premier à envoyer un objet sans pilote en orbite terrestre. Cette entreprise a été initialement conceptualisée en 1954 par le gouvernement américain. Au milieu de l'optimisme et de la confiance américain, l'Union soviétique a lancé le vaisseau spatial rudimentaire Sputnik, propulsé par de la paraffine. En anglais, ce compagnon de voyage serait une petite sphère bourdonnante de moins de 2 pieds de diamètre et pesant moins de 200 livres. Mais jusqu'à ce que le premier bip unique soit entendu par la station de suivi à l'est lointain de Kamtchatka, la jubilation à l'intérieur du centre de contrôle de lancement est restée contenue. Signal sonore. Les émetteurs radio de Sputnik 1 émettaient une série de bips alors que le vaisseau spatial approchait de l'achèvement de son orbite inaugurale. Les États-Unis étaient à la fois ébahis et inquiets, car la course à l'espace avait commencé et les Soviétiques avaient remporté la première étape. Il était crucial pour les États-Unis de ne pas trop prendre de retard sur les Soviétiques dans l'espace. Considérée comme la prochaine frontière, la continuation naturelle de la grande histoire américaine de la découverte. De plus, étant donné la capacité apparente du missile R-7 à transporter une tête nucléaire dans l'espace aérien américain,
Obtenir des renseignements sur les actions militaires soviétiques est devenu beaucoup plus critique. Le début de facto de la course à l'espace a eu lieu le 30 août 1955, lorsque Korolev réussit à obtenir de l'Académie des sciences soviétiques la création d'une commission dans le but de devancer les Américains en orbite terrestre. La politique de développement du programme spatial top secret de l'Union soviétique a été initiée par le Conseil des ministres. Après l'approbation du projet Sputnik, le Politburo n'a pas perdu de temps à planifier la première annonce officielle du lancement au monde. C'est l'agence télégraphique soviétique qui a fixé la norme pour toutes les déclarations officielles concernant le programme spatial. Ni la raison du lancement ni les identités des responsables de sa construction n'ont été révélées dans le rapport final. Le secret était une arme à double tranchant pour le programme spatial soviétique. Il empêchait que des informations sensibles ne filtrent vers d'autres pays et créait une division énigmatique entre le programme et le peuple soviétique. La nature du programme transmettait des signaux contradictoires sur ses objectifs, ses réalisations et ses principes. Un citoyen soviétique typique ne pouvait avoir qu'une idée générale de l'histoire du programme, de SS opérations actuelles et des initiatives futures prévues en raison de l'extrême secret du programme. Les lancements étaient gardés secrets jusqu'à leur réalisation effective. Jusqu'à leur envol, les noms des astronautes étaient tenus secrets. Il y avait un manque de détails sur la mission. Personne à l'extérieur ne savait à quel point était grand ou rond. Leurs vaisseaux spatiaux, sans parler de leurs fusées ou de leurs cabines. Le peuple américain s'est emballé en apprenant que l'Union soviétique avait lancé un objet dans l'espace. Le lancement réussi de Sputnik 2, une fusée pesant plus de 1100 livres, a établi la position de l'Union soviétique en tant que leader mondial en matière de technologie de fusée. Une fusée à trois étages a été supposée par la CIA étonnée, qui a calculé un poids de lancement de 500 tonnes métriques, nécessitant une poussée initiale de plus de 1000 tonnes. Deux satellites terrestres en cours de lancement doivent avoir constitué un exploit scientifique incroyable, selon une étude confidentielle. Le lancement réussi de CS satellites prouve cependant que l'URSS a développé un missile balistique intercontinental capable de frapper avec précision n'importe quelle cible de son choix. Il a été décidé qu'une organisation privée devrait être créée pour aider le programme spatial américain à prospérer après le lancement de Sputnik. Le musée de l'air et de l'espace du Smithsonian rapporte que le Vanguard TV-3, la première tentative de satellite des États-Unis à la fin de 1957, est presque instantanément retombé sur la rampe de lancement. Malgré le soulagement massif que représentait le lancement de l'Explorer 1 le 31 janvier 1958, la décision de créer un organisme privé a néanmoins été prise. Le président américain Eisenhower a suggéré au Congrès la création d'une agence civile chargée de superviser les opérations spatiales non militaires le 2 avril 1958, en réponse à l'avance de l'Union soviétique dans le premier lancement de satellites. En réponse, Eisenhower a promulgué la loi sur l'aéronautique et l'espace le 29 juillet 1958, après son adoption par le Congrès sous la direction du chef de la majorité au Sénat, Lyndon B. Johnson. La NASA a été créée par cette loi, qui a réorganisé le Comité consultatif national pour l'aéronautique. De plus, elle a créé le Comité de liaison civilo-militaire nommé par le président pour coordonner les programmes spatiaux civils et militaires des États-Unis. En lançant la première sonde en 1958, les États-Unis ont lancé le programme Pioneer, qui a finalement échoué. Ensuite, le vaisseau spatial Pioneer 1 est retombé sur Terre, après avoir atteint un apogée de 7700 miles, accomplissant ainsi partiellement sa mission d'orbiter autour de la Lune. Bien que Pioneer 2 et 3 aient échoué, Pioneer 4 a réussi à accomplir un survol lunaire réussi en mars 1959. En 1959, le laboratoire de propulsion par réaction de la NASA a lancé le programme Ranger. Les tentatives de lancement avec l'Atlas Agena ont échoué en août et novembre 1961 pour les Ranger 1 et Ranger 2 du Bloc 1. Malgré un lancement réussi le 26 janvier 1962, le Ranger 3 du Bloc 2 de 727 livres n'a pas réussi à atteindre la Lune. En tant que premier vaisseau spatial américain à atteindre la Lune, le Ranger 4 de 730 livres a fait l'histoire.
Cependant, il n'a jamais renvoyé de données scientifiques car son système de navigation et ses panneaux solaires ont échoué près de la Lune. Lorsque l'alimentation de Ranger 5 s'est éteinte le 21 octobre 1962, il était à 391 miles de la Lune. Le 31 juillet 1964, le Ranger 7 du bloc 3 de 806 livres a touché Terre, marquant la première mission réussie de Ranger. Sur 9 tentatives, Ranger a réussi à faire atterrir 3 impacteurs avec succès. De 1966 à 1968, sur 7 tentatives, le programme Surveyor a réussi 5 atterrissages en douceur qui ont été couronnés de succès. 5 des 6 tentatives du programme Lunar Orbiter entre 1966 et 1967 ont été couronnées de succès. Afin de s'assurer que l'atmosphère spatiale était sûre pour envoyer des humains, les États-Unis et l'Union soviétique ont d'abord transporté des animaux. Des singes et des singes américains ont rempli cette fonction, tandis que des chiens soviétiques ont fait de même. Les États-Unis ont lancé un singe Rhesus nommé Albert II lors d'une mission suborbitale le 14 juin 1949. Malheureusement, le singe a péri lors de l'atterrissage en raison d'un dysfonctionnement du parachute, devenant le premier mammifère dans l'espace. Le 3 novembre 1957, l'Union soviétique a envoyé la chienne Laika en orbite à bord de Sputnik 2 pour une mission de 10 jours. Malheureusement, la technologie permettant de ramener Laika sur Terre n'était pas encore disponible. Initialement, le gouvernement a déclaré que Laika était morte par manque d'oxygène, mais en octobre 2002, il a été révélé que sa véritable cause de décès était le stress et la surchauffe lors du quatrième orbite en raison de la défaillance du système de refroidissement par air. Les chiens Belka et Strelka ont été lancés avec succès en orbite le 19 août 1960 à bord de Sputnik 5. Le 31 janvier 1961, le chimpanzé américain Ham a été récupéré avec succès après son volume suborbital à bord de Mercury Redstone 2. Le 29 novembre 1961, le chimpanzé Enos a commencé son voyage de 3 orbites à bord de Mercury Atlas 5. Mais après seulement 2 orbites, la mission a été annulée car la capsule surchauffait et un test de conditionnement d'évitement cassé l'avait choqué 76 fois. Le lancement de Luna 2, la première mission spatiale à atterrir sur la Lune, en 1959, a été une autre réalisation majeure pour le programme spatial soviétique. Yuri Gagarin, un cosmonaute soviétique, est devenu le premier être humain à entrer en orbite autour de la Terre en avril 1961 à bord du vaisseau spatial en forme de capsule Vostok 1. À une occasion, il a réussi à accomplir un voyage de 108 minutes autour de la Terre. Gagarin a reçu le titre de « marin de l'univers », un terme traduit de manière approximative du russe et du grec, et a donc été nommé le premier cosmonaute. En raison du manque de connaissances sur les réactions humaines à l'apesanteur dans l'espace, la capsule de Gagarin a été pilotée automatiquement. Cependant, en cas d'urgence, on lui a fourni une enveloppe contenant le code qui lui aurait permis de déverrouiller le contrôle manuel. L'Union soviétique et le Bloc de l'Est tenaient Gagarin en haute estime et il a acquis une renommée à l'échelle mondiale. Les manifestations à Moscou et dans d'autres villes soviétiques étaient les deuxièmes en taille seulement à la parade de la victoire de 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. La Russie célèbre toujours le 12 avril en tant que journée de la cosmonautique, que l'Union soviétique avait précédemment désignée comme l'une de ses dates commémoratives de la Russie officielle. En 2011, les Nations Unies ont proclamé le 12 avril comme la journée internationale du volume spatial habité. En raison des craintes de l'autorité de perdre un outil de propagande précieux en CA de catastrophe, Gagarin a été empêché de retourner dans l'espace après être devenu une star au sein de l'Union soviétique suite à la mission. Malheureusement, Gagarin a rencontré une fin prématurée lors d'un volume d'entraînement de routine le 27 mars 1968. Le projet Mercury était la tentative des États-Unis de lancer un être humain dans l'espace. Les ingénieurs de la NASA ont travaillé sur une capsule plus petite en forme de cône, qui était considérablement plus légère que Vostok. Ils ont effectué des tests sur l'engin avec des chimpanzés,
et ont effectué un dernier volume d'essais en mars 1961. Cependant, les Soviétiques ont été autorisés à procéder au lancement de Gagarine en raison de cela. L'astronaute américain Alan Shepard a marqué l'histoire le 5 mai en devenant le deuxième homme à poser le pied dans l'espace, bien que pas en orbite. Malheureusement, selon son rapport de volume, Shepard ne pouvait voir aucune étoile en raison de l'emplacement des hublots dans la capsule, dans le même mois où les États-Unis. Lors d'une session conjointe du Congrès, le président John F. Kennedy a annoncé qu'il avait ordonné à la NASA de terminer l'alunissage avant la fin de la décennie. Le premier Américain à entrer en orbite autour de la Terre a été John Glenn en février 1962, et à la fin de l'année, les plans du programme lunaire de la NASA, le projet Apollo, étaient bien avancés. Le programme d'alunissage lunaire comprenait finalement environ 34,000 employés de la NASA et 375,000 employés d'entrepreneurs industriels et académiques. Et le budget de la NASA a augmenté de près de 500% de 1960 et 1 à 1964. En janvier 1967, Apollo a connu un revers lorsque trois astronautes ont tragiquement perdu la vie dans un incendie simulé lors d'un lancement à bord de leur vaisseau spatial. En raison des débats internes sur l'utilité du programme et de la mort prématurée de l'ingénieur en chef Sergueï Korolev en janvier 1966, le programme d'alunissage lunaire de l'Union soviétique a progressé avec prudence. La première mission spatiale habitée à orbiter autour de la Lune, Apollo 8, a décollé du vaste site de lancement de la NASA sur l'île Merrit, près de Cape Canaveral, en Floride, en décembre 1968. Les astronautes américains Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin et Michael Collins ont entrepris la mission historique Apollo 11 le 16 juillet 1969, marquant la première tentative d'alunissage. Armstrong est devenu le premier homme à marcher sur la surface de la Lune après un atterrissage réussi le 20 juillet. Il a mémorablement caractérisé l'occasion comme « un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». Un demi-milliard de personnes ont regardé le débarquement historique sur la Lune à la télévision, bien que des théories du complot sur sa fraude continuent de circuler. Après de multiples tentatives infructueuses du programme lunaire de l'Union soviétique, les États-Unis sont sortis victorieux. 11 fusées qui ont tenté de faire atterrir de petits objets avec des coussins d'air entre 1963 et 1965 ont toutes échoué. Après avoir accompli cela en 1966, leur attention s'est tournée vers l'envoi d'un être humain sur la Lune. Les scientifiques soviétiques ont envisagé un lancement robotique comme alternative au lancement de fusées en raison de plusieurs problèmes avec les lancements de fusées. La fusée soviétique Luna 15 a décollé quelques jours avant le lancement d'Apollo. L'objectif de ce module automatisé était de se poser délicatement sur la Lune et de rapporter des échantillons. Cependant, il semble qu'il ait perdu le contact et se soit écrasé à la surface. Les deux équipes de la course spatiale ont accompli encore plus de premières dans les années qui ont suivi. Avec le survol rapide de Vénus par Mariner 2 en 1962 et le premier survol de Mars par Mariner 4 en 1965, les États-Unis ont accompli le premier survol interplanétaire. Il a fallu deux décennies de plus aux États-Unis après que l'Union soviétique a propulsé Valentina Tereshkova dans l'espace en 1963 pour accomplir ce que les Soviétiques avaient réalisé. Le Canada en 1962, la France en 1965, le Japon et la Chine en 1970, et d'autres pays ont lancé leurs propres fusées et satellites. On pensait généralement que les États-Unis avaient remporté la course spatiale après les triomphes du programme Apollo, même s'il y a eu des missions ultérieures de l'Union soviétique et des États-Unis. À mesure que la guerre froide touchait à sa fin, les deux superpuissances ont finalement conclu un accord pour construire conjointement la Station spatiale internationale, à partir de 1998. Selon le bureau de l'historien, les liens entre les deux superpuissances ont commencé à s'améliorer dans les années 70, et des discussions sur des questions telles que le contrôle des armements ont commencé à avoir lieu. C'est vers la première station spatiale que le programme spatial soviétique a dirigé son attention après l'alunissage.
L'équipage de Soyuz 11 a péri, cependant, en raison d'une fuite d'oxygène provoquée par une vanne défectueuse activée lors de la séparation des modules instrumentaux de la capsule orbitale. Seul l'équipage du vaisseau spatial Soyuz 11 est décédé en orbite. Lancé en 1975, la mission Apollo-Soyuz a été un effort de coopération entre les États-Unis et l'Union soviétique, symbolisant la collaboration entre les deux superpuissances. Selon la NASA, les équipages de la navette Apollo et de la mission Soyuz se sont salués lors de leur amarrage le 17 juillet, une poignée de main symbolique diffusée dans le monde entier entre Alexei Leonov et Tom Stafford, les leaders. La compétition spatiale a pris une conclusion symbolique à bien des égards. L'impact de la compétition spatiale est indéniable, même si elle s'est terminée. Pendant toute sa durée, la course spatiale a retenu l'attention exclusive du peuple américain. Les médias nationaux ont largement couvert les nombreuses avancées réalisées par les programmes spatiaux soviétiques et américains. La télévision, un médium relativement nouveau, n'a fait que renforcer cette folie. Les Américains ont commencé à admirer les astronautes comme s'ils étaient leurs plus grands héros, et ceux qui étaient restés sur Terre semblaient même prendre plaisir à vivre de manière virtuelle. En contrepoint, les Soviétiques étaient dépeints comme l'ennemi archétype, incarnant la puissance du système communiste à travers leur poursuite énorme et acharnée de la domination américaine. Jusqu'où et à quelle vitesse la technologie aurait-elle progressé si le programme Apollo n'avait pas été mis en œuvre? Kennedy a donné la priorité à l'alunissage pendant la guerre froide, et son dévouement à la mission a changé l'Amérique et la technologie américaine. Certains pensent maintenant que la Russie, la Chine et l'Inde, ainsi que l'adversaire de longue date des États-Unis, ont rallumé leur rivalité spatiale. Quand deux grandes nations se battaient pour la suprématie pendant la guerre froide, le monde était considérablement plus simple. Maintenant, une nouvelle compétition a émergé où des entreprises privées, comme SpaceX et Blue Origin, peuvent démontrer leurs compétences en volume spatial. Il peut y avoir certains éléments compétitifs, comme des batailles pour les ressources rares de la Lune, mais il y aura plus de joueurs et moins de gagnants et de perdants clairs dans les courses spatiales de demain qu'auparavant. Les vols spatiaux habités en orbite basse autour de la Terre et vers la Lune, ainsi que les satellites artificiels et les sondes vers Vénus, Mars et la Lune, étaient tous des produits de la course spatiale. De nombreuses découvertes scientifiques révolutionnaires, des avancées technologiques et des explorations spatiales ont eu lieu pendant la course spatiale entre les États-Unis et l'URSS. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos stupéfiantes sur l'espace.